Mesdames et messieurs, bonjour. 1er août 1960, 1er août 2023, 63 ans d'indépendance pour la République du Bénin, 63 ans de vie marquée par des intrigues politiques avec une série de coups d'État entre 1960 et 1972 où le Bénin a viré vers la révolution marxiste-léniniste, une période qui a également connu des hauts et des bas et qui a finalement débouché sur le renouveau démocratique. 63 ans donc après l'accession du Bénin, la souveraineté nationale et internationale. Il est temps de faire une pause pour relever les acquis et identifier les défis. Bienvenue à vous sur cette émission spéciale Indépendance que vous offre Canal 3 Bénin. Nous aurons deux panels. Le premier sera civil et le second exclusivement militaire. Nous ferons de temps en temps un tour sur le terrain pour voir et commenter le défilé, ce qui se passe en temps réel au niveau du jardin de Mathieu pour le dépôt de gerbes et le boulevard de l'Amazone pour le défilé militaire proprement dit. Trois éminentes personnalités sont déjà en plateau avec nous pour le premier panel, 63 ans d'indépendance, acquis et défis pour le Bénin. Mon collègue William Cliquin est aussi sur ce plateau pour conduire avec moi cette spéciale émission Indépendance. Bonjour William. Bonjour Loïc, bonjour à tous les Béninois et très bonne fête à tout chacun de vous. Eh bien, premier panel, 63 ans d'indépendance, défis au Bénin. Ce panel est constitué, comme Loïc l'a annoncé, de civils, trois personnalités. Je commence par présenter un habitué à nos plateaux, Francis Attadé. Il est analyste et consultant politique. Bonjour cher invité. Bonjour. Et très bonne fête de l'indépendance. Bonne fête à vous aussi. C'est un plaisir d'être avec vous parce que c'est un honneur que vous me faites de m'amener à réfléchir sur les 63 années d'indépendance, même si la marche a été chaotique, que vous l'avez annoncé dans votre introduction liminaire. J'espère qu'on doit se réjouir de ce que la stabilité continue d'être un ferment et que c'est une constante que nous devons continuer à maintenir. Merci, monsieur Attadé. À ma gauche, Eugène Bénédi, lui, il est inspecteur de l'enseignement secondaire. Bonjour, monsieur Bénédi. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce premier. C'est un plaisir. Le troisième invité ce matin, Anand Aubin Bonsou, lui, il est économiste. On va parler également économie aujourd'hui dans le bilan. Bonjour, monsieur Bonsou. Oui, merci beaucoup. Bonjour. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce matin pour partager avec vous. Échanger avec vous sur cette thématique et également je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête nationale aux Béninois et aux Béninoises. Et justement, si je vais rester avec vous et vous arracher les tout premiers mots de la journée, fier d'être Béninois en ce jour? Ah ben, je peux dire que je suis très fier d'être Béninois parce que lorsque je regarde le visage que présente ma nation, c'est avec fierté que je peux dire que aujourd'hui c'est une fête nationale et c'est une fête nationale. Eugène Bonsou, même sentiment? Oui, bien sûr. Je ne suis pas un renégat. Je suis bien fier d'être béninois, même si j'ai quelques pincements au cœur. Mm-hmm. Ben, c'est comme ça dans tous les pays. Hein. Rien n'est parfait. C'est les hommes qui sont là. C'est pas des dieux. Mm-hmm. Ou bien. Et on aura l'occasion de faire ce bilan, de revenir en détail là-dessus. Francis Attadé, content d'être béninois, fier du parcours global, 63 ans, quelques mots? Mais fierté beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, mm-hmm. tout en reconnaissant qu'il faut donner le mérite, il faut reconnaître le mérite à chaque gouvernant, parce que les gouvernants successifs qui ont pris la gouvernance du pays, ont fait chacun, chaque dirigeant a fait ce qu'il pouvait. Il y en a qui ont fait bien, il y en a qui ont fait très bien, il y en a qui sont excellents, mais c'est perfectible. Mm-hmm. Donc il faut reconnaître qu'aujourd'hui, je suis très fier d'être encore là et sur votre plateau pour que nous puissions opiner sur les 63 années d'indépendance de notre pays. Voilà. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Et déjà, justement, pour planter le décor de cette spéciale émission Indépendance, 1er août 2023, nous allons rendre hommage à tous les chefs d'État qui se sont succédés au pouvoir entre 1960 et 2023. Comme vous le savez, l'histoire du Bénin est marquée par trois grandes périodes, à savoir l'instabilité politique, après de l'après-indépendance avec une série de coups d'État, puis la révolution populaire et enfin l'avènement du renouveau démocratique. Nous allons rapidement voir ces hommes importants qui ont marqué l'histoire de notre pays. Hubert Kutukumaga. Cet instituteur de formation a été le tout premier président du Dahomey indépendant le 1er août 1960. Mais il sera déposé trois ans plus tard, suite à un coup d'État militaire. Un coup de force qui place le colonel Christophe Soglo au pouvoir le 28 octobre 1963. Cet officier supérieur des forces armées dahoméennes
assure donc la gestion du pays pendant 3 mois avant d'être remplacé par Sourou Miguin Apiti le 25 janvier 1964. Après plus d'un an au pouvoir, cet expert comptable est contraint à la démission par l'armée. Il lui est reproché une crise survenue entre son vice-président Justin Tometiar Omadegbe et lui. Il est donc remplacé par Kongaku Tairou, élu président de l'Assemblée nationale suite aux élections de janvier 1964 et deuxième personnalité dans l'ordre de succession ou de préséance. Ce dernier prit le pouvoir le 29 novembre 1965. Mais son pouvoir sera de courte durée puisqu'il sera lui aussi remplacé un mois plus tard par le chef d'état-major des forces armées dahoméennes, le général de brigade Christophe Soglo, qui revint ainsi au pouvoir le 22 décembre 1965. L'armée reprend donc les rênes du pays. Mais entre militaires et frais d'armes, la cohésion de groupe n'est pas la chose la mieux partagée. Le général de brigade Christophe Soglo se fait donc renverser le 17 décembre 1967 par des officiers de l'armée dirigés par le commandant Maurice Iropa Kouandété. Un coup de force qui place le lieutenant-colonel Alphonse Allais au pouvoir. Après moins d'un an de gestion du pays, le docteur Basile Adjumoumouni est élu président de la République suite à l'élection présidentielle organisée en mars 1968 par l'armée. Mais cet ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'aura jamais le privilège d'exercer le pouvoir puisque son élection n'a pas été acceptée par l'armée. C'est ainsi que le médecin Émile Derlin-Zissou est rappelé le 17 juillet 1968 pour gouverner en tant que président de la République suite à la contestation du docteur Basile Adjumoumouni. Un directoire fut alors mis en place par l'armée afin de collaborer à la gestion du pays. Ce directoire fut un organe collégial composé de 3 colonels à savoir Paul-Émile de Souza, Benoît Kofi Sinzogan et Maurice Iropa Kouandété. Émile Derlin-Zissou quitte le pouvoir le 10 décembre 1969. Hubert Maga revient aux affaires à la faveur de l'instauration du conseil présidentiel avec l'option d'une gouvernance par rotation entre les 3 leaders que sont Hubert Maga, Sourou Miguin Apiti et Justin Tometi Aromadegbe. Ce qui permit à Hubert Maga d'exercer son mandat de président du conseil présidentiel en qualité de chef d'État et chef de gouvernement du 7 mai 1970 au 6 mai 1972. Il est suivi du médecin dentiste et ancien vice-président Justin Aromadegbe Tometi. Ce dernier prend fonction le 7 mai 1972 en qualité de président du conseil présidentiel, chef de l'État, chef du gouvernement. Mais 5 mois plus tard, il se fait renverser par le coup d'État militaire ayant conduit au pouvoir le commandant Mathieu Kérékou. C'est ce coup d'État qui met définitivement fin à la période d'instabilité politique qui faisait du Dahomey l'objet de toutes les railleries et que d'aucuns qualifiaient d'enfant malade de l'Afrique. À partir du 26 octobre 1972, le Dahomey ouvre une nouvelle page de son histoire. L'armée dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le discours programme de politique nouvelle d'indépendance nationale est publié le 30 novembre 1972. Un nouvel organisme est créé, le Conseil national de la Révolution. La formation idéologique et patriotique devient obligatoire. L'administration territoriale est réformée. L'adhésion du gouvernement au marxisme-léninisme est prononcée. La République du Dahomey s'aligne sur l'URSS. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin est conçu et créé comme un parti d'avant-garde. Mais au regard des troubles sociaux et politiques, envenimé par la situation économique catastrophique et la chute des régimes communistes en Europe, le colonel Mathieu Kérékou prend les devants le 7 décembre 1989 en annonçant l'abandon du marxisme-léninisme, la liquidation du parti politique et la fermeture du comité central du parti. Le gouvernement accepte l'instauration d'une conférence nationale réunissant les représentants des différents mouvements politiques. La conférence s'ouvre le 19 février 1990. Ainsi s'ouvre l'ère du renouveau démocratique avec l'élection de l'inspecteur des finances Nicéphore Dieudonné Soglo
en tant que président de la République du Bénin le 24 mars 1991. Il reste le seul président du renouveau démocratique qui a fait un seul mandat. Il est battu aux élections suivantes par le général Mathieu Kérékou, revenu en force de façon démocratique avec deux mandats consécutifs. Le général Mathieu Kérékou quitte le pouvoir le 5 avril 2006 et laisse place au régime du changement conduit par le docteur en économie Boni Yayi. Après son premier quinquennat, Boni Yayi est réélu pour un second mandat qui a pris fin en 2016. Ce fut le premier président à avoir fait un chaos dès le premier tour de l'élection présidentielle. Après le changement, s'installe le régime de la rupture et du nouveau départ. Un régime porté par l'opérateur économique Patrice Talon, vainqueur de l'élection présidentielle de 2016. Après son premier quinquennat, il rempile en 2021. Son second mandat prend fin en 2026. Qui pourra bien succéder à Patrice Talon en 2026? C'est la question qui fait courir actuellement tous les acteurs de la classe politique béninoise. Retour en plateau avec nos invités. Vous l'avez constaté, le Bénin reste l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir enregistré plusieurs présidents, plusieurs chefs d'État entre 1960 et en 2023. Francis Attadé, vous êtes analyste et consultant politique. Que vous inspire cette immersion dans l'histoire de votre pays? Non, mais écoutez, ça, ce rappel historique est nécessaire parce qu'il faut que nous puissions tirer le leçon de notre passé pour mieux bâtir le présent et envisager l'avenir. Je crois évidemment qu'en rappelant le parcours historique du Bénin, Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, oui, vous avez montré les césures chronologiques. En fait, on retient que de 1960 à 1972, le Bénin a été secoué par une série de coups d'État. Il y a 5 coups d'État réussis. Et après, le 8 tests constitutionnels. Il y a même des tests qui ont été inappliqués, notamment la constitution de 68. Alors, vous voyez bien que de 1972 à 1989, il y a eu une expérience, en fait, révolutionnaire. Parce qu'avant l'effondrement du régime en 89, pour qu'on aille à la conférence de 90, il y a eu l'expérience révolutionnaire avec ses gloires et ses déboires. Que du coup, au cours de la première décennie, 72-82, a performé. Mais de 82 à 89, évidemment, les difficultés économiques ont commencé par faire jour. Il y a eu la banqueroute, la débâcle économique. Il y a eu le jet de recrutement en 86. Il y a eu les arriérés accumulés en 87-88. Et il y a eu les mouvements populaires. Et face à la dérive autoritaire du régime, il y a eu des résistances. Mais conséquence, on est allé à la conférence 90 qui a servi évidemment de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale. Nous sommes devenus des baromètres des grands changements intervenus sur le continent africain. Nous sommes devenus même le laboratoire de la démocratie. Donc de 90 à aujourd'hui, c'est l'ère du renouveau démocratique. Donc on retient évidemment qu'on a connu une expérience d'abord démocratique. De 60 à 72, c'était la démocratie. C'est pourquoi, après 90, on parle de renouveau démocratique. Nous renouons avec la démocratie. Mais entre-temps, pour mieux comprendre les saisies chronologiques, il faut partir de 72 à 75. Nous étions Dahomey. Et à partir de 75, le dimanche 30 juin 75 à 15h, le pays a changé de nom et est passé du Dahomey à la République populaire du Bénin. Donc de 75, une expérience nouvelle commence parce que c'est l'année où il y a eu des mesures fortes, à part les trois glorieuses, 1972, 1974 et puis 1975. Mais en 75, on a changé de nom. On est passé de Dahomey à Bénin, on a changé de drapeau. Donc c'est le drapeau vert avec l'étoile rouge, désormais qui est. On a créé le Parti de la Révolution populaire du Bénin, le PRPB, Parti unique, pour dire que ben, tous les fils, évidemment, sont dans ce creuset, et on a créé des organisations pour inféoder tout ça au parti. 75, Kérékou a dit, mais plutôt que de continuer avec le lait colonial, parce que les politiques agricoles appliquées depuis 60 jusqu'à encore tout récemment, portent les empreintes du colonisateur, du néocolonialisme, même s'il y a eu des velléités de rupture. La rupture de 75 doit viser à promouvoir les cultures vivrières. Mais malheureusement, Kérékou a tenté quelque chose qui n'a pas prospéré. Quoi déjà? Ben, on a mis l'accent sur la culture vivrière au détriment des cultures d'exportation, en fait. Vous savez que nous étions exportateurs d'abord du palmier à huile. Mmh. Et puis, à partir de 1975, dans la structure des exportations, les produits du coton ont talonné pratiquement les produits du palmier à huile, au point que le coton devient produit vedette à partir de 1975. Même si ce coton a connu des gloires et des boires,
avant d'être restructuré à partir de 1990 à la faveur des investissements de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Donc, de 1975, on a vu qu'il y a une grande rupture. Parce qu'en fait, c'est la volonté de rupture en fait, qu'il faut révéler aux gens. En 1960, on a dit on rompt avec le colonisateur, puis on construit un nouveau Bénin. Ben, l'expérience a été chaotique. Maladie infantile, coup d'État. Nous sommes devenus enfants malades de l'Afrique. Ben, en 1975, après les mesures fortes, les trois glorieuses, on a dit maintenant on fait rupture. Donc, on applique le marxisme-léninisme adopté il y a en 1994 à Goho. Puis, 75, donc, devait se remettre. Malheureusement, en 90, on constate que on n'a pas gagné la rupture, d'où la conférence des forces vives qui est venue comme une rupture pour mettre fin à la parenthèse révolutionnaire qui n'a fait que, en fait, un peu du bien, mais beaucoup de mal. Notamment, il y a eu déni des libertés, parce que vous savez évidemment que les libertés étaient bâillonnées, le peuple était muselé, il n'y avait pas. La presse était bâillonnée. Bon, donc, vous savez que ce climat ne favorisait pas l'éclosion des talents. En 90, on a dit, ben, on fait l'ouverture. On quitte bien qu'on permet d'aller au multipartisme intégral. Nous étions parti unique, PPB, maintenant on offre l'opportunité pour que les gens puissent créer des partis et que ces partis animent la vie politique. On a pris des mesures pour adopter de l'économie planifiée, on est allé à l'économie libérale. Désormais, vous savez que c'est les mesures capitalistes qui guident les choix économiques. Et de 90 à aujourd'hui, on a dit, ben, voilà la marche. Bon, il y a eu des césures. En fait, 91, on a fait une élection présidentielle avec tout ce que ça a engendré comme crise au Nord. Vous savez bien, j'étais à Parakou. Je ne veux pas refaire l'histoire. Donc, de 91 à 96, le président Soglo a fait une expérience qui a été salutaire, puisque nous étions à moins 2% de croissance en 89, puis on est passé à 4% de croissance sous Soglo. Ça fait 6% en fait, engrangé. Tellement il travaillait qu'on l'appelait Hercule. Donc, il avait fait des réformes, il avait engagé des travaux titanesques. 96, Kérékou remet, subitement. Disons, en évangéliste, et puis avec des discours, en fait, plus avec. Mais oui, si, parce que, en fait, l'hibernation, en fait, les 5 ans de repos, de calme, d'accalmie, ont forgé une personnalité. Il vient reconquérir son pouvoir en 96, puis de 96 à 2006, il a gouverné du mieux qu'il pouvait avec les cadres, parce qu'on estimait que lui, il était plus rassembleur. Donc, il fédérait les énergies. Mais le bilan était qu'on n'a pas gagné la rupture. On n'a pas beaucoup avancé. Il y a eu de petits pas qui ont été faits, mais on aurait pu faire mieux. Et on a dit, mais on a vu un banquier, en fait, qui est venu la BOAD, qui a dit, non, mais ça peut changer, ça doit changer, ça va changer. Donc, c'est ça qui a mené Boni Yayi au pouvoir à partir de 2006. De 2006 à 2016, vous avez vu que même le géniteur du changement a constaté en chemin, après 2011, que le changement avait des plombs dans l'aile. Donc, il faut aller à la refondation. Donc, il est à la fois géniteur, en fait il a porté le conseil gémellaire, en fait, politiquement parlant. En fait, deux têtes, il y a eu d'abord le changement, puis la refondation. Au bilan, c'est que ça n'a pas impacté comme on le souhaitait. On a vu donc le prêteur économique qui dit non, la rupture. Donc, plusieurs ruptures manquaient avec une nouvelle qui a donné une orientation. Vous aviez vu que, en fait, quand on établit la structure économique, parce qu'il faut voir le modèle économique du Bénin, sur le il y a l'économie, c'est d'ici. Parce que là, on a vu que maintenant, nous faisons une révolution. Enfin, une révolution à bas bruit, mais une révolution de taille, parce que c'est indicateur d'un avenir. Ouais. Merci Francis Attalé. Je vous remercie pour l'histoire que vous nous relatez actuellement. Et vous êtes, je veux parler de Eugène Bédédi, vous êtes... inspecteur de l'enseignement secondaire, le premier président qui a proclamé la République du Bénin, il est instituteur de formation Hubert Maga, et vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation béninoise n'a pas connu une évolution linéaire de 1960 à aujourd'hui. Quelle lecture, quel regard portez-vous sur le système éducatif national? Ben, globalement, j'ai la certitude que nous avons quand même avancé. Même si nous n'avons pas avancé... Quand on dit quand même, ça veut dire qu'il y a eu un débat où nous sommes pressentis. Oui. Nous n'avons pas avancé. Mais quand je vois ce que nous étions en 60, avec une fréquentation scolaire minable, et vous savez, dans certaines régions, il fallait que les maîtres sortent pour aller chercher chaque matin leurs élèves. Et
il arrivait à certains de dire, mais non, mon élève, mon enfant, moi, était là hier, et les autres, ils n'ont qu'à aller. Lui, il va au champ avec moi. Donc, la mentalité a évolué. Aujourd'hui, plus personne n'hésite à mettre son enfant à l'école. Ce n'était pas ça avant. Ça veut dire quand même qu'un travail a été fait, un travail positif a été fait dans ce domaine. Bien, Maga a beau être bâtisseur, oui, j'en suis assuré. Il a fait de très bonnes choses. Il a quand même construit le plus grand lycée, juste depuis qu'il est parti, ça fait 60 ans. Mais personne n'a pu construire un lycée plus grand que le lycée Mathieu Bouquet dans le Nord. Vous n'en verrez pas. Donc, il a été un bâtisseur dans le domaine de l'éducation. Mais ça coule de source, il vient de là. Pourtant, nous avons des regrets. Parce que nous ne sommes toujours pas arrivés où nous étions attendus. Nous sommes encore loin de la gare. Sur les questions de fond, dans le contenu de l'éducation, des curricula de formation, de l'école coloniale à l'école nouvelle, aujourd'hui à l'approche par compétences, est-ce que c'est une marche chronologique vers un développement, vers une formation adéquate pour les Béninois, ou vous, inspecteur de l'éducation au niveau du secondaire, vous avez une autre lecture de la marche que le Bénin a faite en 63 ans? Non, cette marche me paraît très normale. Pourquoi? Nous sommes partis, nous, quand nous avons commencé l'école dans les années 60, bon, j'ai commencé en 67, quand nous avons commencé, mais on nous rossait, on nous battait et on ne nous enseignait pas grand-chose, en fait. C'était la méthode dogmatique ou expositive, parce qu'on croyait qu'il suffisait d'exposer le savoir, la connaissance, pour que l'enfant l'apprenne. Et s'il n'arrive pas à comprendre, on se convainc qu'il préfère le jeu au travail et qu'il faut le battre pour que le diable qui est dans ce corps-là s'en aille. Vous voyez? Bon, après, on a évolué et, bon, vous savez, les cours, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais les cours commençaient par des généralités. Ouais. Mais aujourd'hui, on commence par des supports didactiques. On amène l'élève à découvrir les outils qui vont permettre, c'est à lui-même, on l'associe à la construction du savoir. Donc, on a évolué. On est passé par intermédiaire. Bon, on disait programme par contenu, ça c'est dogmatique. Après, on est allé au programme intermédiaire, ou qu'on a appelé le PPO, programme par objectif. Donc, on se fixe des objectifs à atteindre dans l'appropriation des compétences. Et c'est ces objectifs qu'il faut se donner les moyens d'atteindre, et pour cela, il faut d'abord amener l'élève à observer, à découvrir les outils, à manipuler et à construire du sens pour aller donc avant d'aller au réinvestissement qui sont les exercices. Oui. Quand on regarde, ces différentes choses, est-ce qu'aujourd'hui, la qualité de la formation, oui, comparativement à ce qui se faisait hier, est-ce qu'on a un regard vraiment acceptable, appréciable? Oui, parce que aujourd'hui, nous pouvons dire que le programme, l'approche par compétences, elle a ses déboires aussi, hein, mais elle a ses gloires. Ouais. L'approche par compétences aujourd'hui permet. Vous avez vu les résultats qu'on a aujourd'hui? J'étais au bac, quand j'étais reçu au bac, nous n'étions que 8,02% en 83. Aujourd'hui, nous sommes à 60%. Il y a quelques années, nous étions à 35%. Monsieur Gouredi, nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons rapidement faire un tour de l'autre côté de la régie pour voir ce qui se passe en temps réel sur le terrain. Nous l'avons annoncé en début d'émission. Là, actuellement, nous sommes au jardin de Mathieu pour le dépôt du GER. Vous voyez à l'écran le président de la République, Patrice Talon, qui s'en va récupérer, voilà, les gerbes pour le dépôt officiel. Ce sera dans un instant, comme vous le voyez sur ces images, oui. Et voilà comment ça se pose. En attendant de revenir en plateau pour mieux discuter, nous allons écouter le son et revenir. La pause. La sonnerie, il y a une sonnerie solennelle qui va retentir pour marquer, ponctuer ce moment.
fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer, nous revenons sur l'actualité. D'accord. Non. Non, aucun souci par rapport au développement. Bien, depuis l'année dernière, c'est là que se passe le dépôt de gerbes, non plus à Clacodie, monument aux morts, ignoré dans l'histoire. Désormais, c'est au monument des dévoués, à la place du monument des dévoués, que le chef de l'État fait le dépôt de gerbes, et il vient de le faire il y a quelques instants. Nous le voyons quitter le monument sur ces images. Mais nous revenons en plateau pour continuer justement nos analyses par rapport au bilan des 63 ans. Nous avons fait un bref aperçu, Eugène Bénédi, de l'enseignement. Oui. Permettez que, en économie, nous disions quelques tout petits mots sur le parcours que nous avons fait jusque-là. Aubin Gonsou, qu'est-ce que le Bénin a été? C'est vrai que dans le développement de Francis Olo Jatale, nous voyons que les colorations politiques ou les incidents politiques ont forcément eu une répercussion sur l'économie. Oui. Évidemment, je prends la brèche de M. Attadé pour dire que quand on voit un peu l'évolution de politique, on peut entrevoir, puisqu'il a bien expliqué entre 1960 et 1975 qu'il y a eu un apparat de démocratie. Mais cependant, nous avons constaté que ça n'a été que des mandats de courte durée. Donc cela, en réalité, trouve certainement sa source dans la dynamique économique. Et c'est pour cette raison que de 1960 jusqu'en 90, il faut reconnaître qu'il y a des années où le taux de croissance est négatif. Cela montre évidemment qu'il y a des problèmes. Mais cependant, nous pouvons quand même noter qu'au cours de la période telle que présentée par M. Attadé, avant le système socialiste, il faut noter que notre économie a bien sûr connu de fortes croissances, parce que nous avons, autour des années 75 ou 70, nous avons retrouvé des taux de croissance de l'ordre de 6%, et jusqu'à ce que, en 1981, le taux de croissance en arrive jusqu'à 95%, donc presque à 10%, qui a été, je pense que ça constitue pour nous économistes des indicateurs de comparaison pour bien apprécier l'évolution de notre économie. Et en dehors de ça aussi, lorsque nous prenons le PIB, le produit intérieur brut, d'accord, qui constitue beaucoup plus pour les États, les ressources dont dispose la nation pour pouvoir faire face aux dépenses et assurer le fonctionnement de l'économie, on peut bien évidemment trouver que le moment et la période socialiste a permis quand même de pouvoir atteindre un niveau important. Donc cela montre que l'objectif de départ par rapport à ce courant politique, d'accord, n'était pas aussi négatif. Mais cependant,
des difficultés se sont révélées au cours du processus. Ouais. Et c'est ça, pour combler l'idéologie même du socialisme. Ouais. Voilà. Monsieur Bédéi ? Oui. Mais le problème que le PRPB, bon, à part le fait que nous étions à l'université, nous l'avons combattu. Ouais. Et nous entrions à l'université en 85, la peur au ventre. Parce que vous arrivez là, à l'entrée, et il y a une liste noire, on va vérifier si il n'y a pas l'un de ceux qui sont recherchés dedans. Et donc, et ça peut tomber sur n'importe qui. Un militaire à qui vous doit de l'argent, c'est vite fait. C'est arrivé à un ami. Il a été pris. Alors qu'il n'a rien fait. Et c'est après l'avoir torturé et tout ça qu'on a constaté que c'était plutôt autre chose. Mais et les difficultés du PRPB ont été créées par la France et d'autres et ses alliés. Vous avez vu le débarquement des mercenaires ici le 16 janvier, ouais. Parce, avec le fameux, ce fameux Bob Denard. Ouais. Parce que on ne voulait pas entendre parler de ce régime. Parce que ce régime et d'autres sont des obstacles à l'hégémonie de la France dans la région. Ouais. Et il fallait tout faire pour mettre... mais pour faire main basse sur ce régime et faire de ce pays une des vaches à lait. Jean Bédéji, nous avons Wahab Ali Kbara en direct. Quelques difficultés de liaison. Nous l'avons encore perdu au fil et nous allons poursuivre dans le coup de cette émission, Ulrich. Oui. Donc, le PRPB n'était pas toujours facile, mais pourtant, M. Attadé l'a dit tout à l'heure, il y a quand même eu des points positifs avec cette expérience du renouveau de la révolution populaire. Oui, je mets l'accent toujours sur la rupture. Vous savez, d'abord que l'école nouvelle, ouais. Ça rompt avec l'école coloniale. Ouais. Donc, Kélékou incarne quand même une volonté de rupture. Vous savez que Kélékou peut-être a mal compris ce que c'est que le socialisme. Il a confessé qu'il n'avait pas lu les documents du socialisme et que c'est les intellectuels qui lui ont donné les orientations. In fine, il a trouvé qu'ils étaient des intellectuels en guémétari. Bon, en fait, je lui conseille ça parce qu'il n'est plus ici. Mais écoutez, vous avez vu que la dynamique qui était en cours pour Kélékou, le socialisme, c'était l'étatisation des sociétés et entreprises et la création massive d'emplois. Vous savez qu'on est passé de 12 000 emplois à près de 47 000. On est passé de 12 sociétés à 120 sociétés. En fait, il y a eu, pour Kélékou, il fallait créer de l'emploi. On a eu des années avec le Gabon, il y a eu rapatriement. Kélékou, au nom de l'orgueil idéologique, a inséré beaucoup. C'était en marge des possibilités réelles de l'économie nationale. C'est ça qui a fait gripper, en fait, la machine. Vous savez qu'en 89, en 81, au moment où on est passé à 9,95% de performance, on titouait la croissance à deux chiffres. Mais ça s'est noyé à partir de 82, au point qu'en 83, on est allé à la première table ronde avec les bailleurs à la recherche des financements pour le Bénin. Et en 86, nous ne serions pas étonnés que nous soyons allés au gel des recrutements à la fonction publique. Et il y a eu des mouvements en 85, je crois que vous avez dit en 85, mai 85. Bon, alors, parce que quand on fait l'autopsie du mouvement contestataire à l'Université nationale du Bénin, de 79 à nos jours, il y a quand même des constantes. On a vu les revendications et la répression affichées par le pouvoir central. Mais ce qui m'intéresse, en fait, parlant de rupture, observez que, je crois que je parlais à l'économiste, parce qu'on a dit que notre pays est un pays à vocation agricole. Ça veut dire évidemment que nous devons mettre l'accent sur l'agriculture pour développer notre pays. Le développement est envisagé. Chaque décideur a le souci de développer le pays, mais par quel bout il faut prendre. Le bon bout, c'est peut-être le développement agricole. C'est ce qui a été envisagé. Mais il y a un docteur, je crois il est à l'université, c'est le seul économiste de l'histoire, docteur Ao, qui a fait une thèse de très bonne facture. Il a soutenu, je crois, le 30 septembre 2014. Le titre, c'est « Politique publique et développement agricole au Dahomey Bénin » de 1960 à 2010. Cette année, nous avons pu joindre Wahab Ali Kbara depuis le boulevard de la Marina. Il a suivi le dépôt de gerbe du chef de l'État. Il va nous faire un point de situation. Wahab, bonjour. Bonjour Wahab. Quelques petits soucis à entendre. Visiblement, Wahab, problème technique.
Rabalik Mera, bonjour. En attendant de retrouver Wahab Ali Para, nous allons permettre à nos invités de continuer le développement parce que nous allons le retrouver tout à l'heure. Vous évoquez tantôt la thèse du docteur Ao, qui est une thèse qui peut faire le bilan parce que la puissance publique et le développement agricole au Dahomey-Bénin, parce qu'il a utilisé Dahomey-Bénin, parce qu'en temps, il y a eu, on a chevauché sur deux périodes, de 1160 à 2010. Je crois qu'il a fait le bilan. Il a évalué en fait les politiques agricoles élaborées et appliquées au Dahomey-Bénin de 1960 à 2010 et a constaté que nous n'avions pas changé de paradigme. Le constat, parce qu'en fait, les quatre fonctions classiques de l'agriculture, vous le connaissez bien, c'est couvrir les besoins alimentaires des populations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avions atteint l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire? La question est la réponse est là. Non. L'agriculture doit fournir des matières premières aux industries. En fait, être une source d'approvisionnement pour les industries. Est-ce que nous en sommes venus à ce niveau? Je dis que le résultat est mitigé parce qu'il n'y a que Claude Digbé actuellement qui est en train d'absorber en fait une partie des ressources agricoles que nous produisons. Et est-ce que l'agriculture fournit les ressources en fait aux agriculteurs eux-mêmes? C'est mitigé. Ouais. Ce sont des questions que vous posez. Et puis, la question, on me signale que Wahab Ali Para est en direct depuis le boulevard de la Marina. Bonjour Wahab, j'espère que cette fois est la bonne. Wahab Ali Para, bonjour. Visiblement, le problème technique persiste. Nous allons rapidement permettre à M. Aubert d'aller au bout de nos idées. Oui, justement. Et puis, en fait, 30 secondes. En fait. Et j'ai dit évidemment que l'agriculture doit fournir les ressources à l'État pour financer le développement. Mais du point de vue de l'école, de l'éducation, dites-moi, est-ce que nous avions changé les politiques éducatives? Parce que quand on était depuis le temps qu'on le spécialiste de l'éducation va nous le dire tout à l'heure, parce qu'il est là justement sur ce plateau. Il pourra mieux nous éclairer. Mais il peut confesser ici, parce que moi, je suis un fils d'inspecteur de l'enseignement primaire. Ouais. J'ai eu la chance de têter un peu à l'éducation depuis la base, parce que je me forme de directeur. Et je peux dire que j'ai observé, en fait, et j'ai travaillé évidemment sur cette thématique aussi à un moment donné. Et je peux constater que pour le colonisateur, il fallait former les généralistes. Donc, on ne mettait pas l'accent sur les écoles techniques. Et donc, on avait 70% d'intrants dans l'enseignement général et 30% dans l'enseignement technique depuis 60. Mais on n'a pas pu inverser jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu cette réforme introduite par le chef de l'État, Patrice Talon, pour que nous puissions envisager de renverser la tendance. Ouais. Pour que désormais... Parce qu'en fait, c'est l'école technique qui fait le développement. Ouais. Nous allons permettre au Bert Bonsou de revenir sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup plus économie, on parle des possibilités pour faire émerger notre pays. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. On a même connu la crise économique qui a carrément mis le pays à terre. Aujourd'hui, on tend vers une sorte d'épanouissement économique. Est-ce que nous sommes sur la bonne ligne? Je peux dire que nous sommes sur la bonne ligne parce que par rapport au développement de M. Attali, vous pouvez comprendre que l'agriculture est la base en réalité de toutes sortes de développement. Parce que surtout pour nos pays en voie de développement, nous ne pouvons rien construire sans rien et si évidemment nous n'avons rien produit. Eh bien, l'agriculture aujourd'hui est la base de tout développement, surtout pour nos pays. Et je peux confirmer que les prouesses que le Bénin a connues, notamment dans le domaine de l'agriculture, révèlent de la capacité de production aujourd'hui qui prolonge effectivement le développement du secteur secondaire, d'accord, qui est bien sûr la mise en place des industries et autres. Donc, on voit aujourd'hui une sorte de cohérence, d'accord, dans les décisions et dans les choix de politique économique qui beaucoup plus de nos jours. Et les activités ou la création ou la mise en ou la révélation, je vais même dire, de Claude Digbé témoigne de l'engagement effectivement du gouvernement de permettre à ce que l'industrie soit au cœur, d'accord, de la pratique de développement aujourd'hui, puisque nous produisons
il nous faut transformer et il nous faut exporter. Et c'est un bon choix quand même pour un lendemain meilleur pour notre pays. Oh oui. La question de l'éducation aussi est revenue du côté de Francis Attadé. Nous avons avec nous l'inspecteur de l'éducation. Il pourra mieux nous éclairer parce qu'effectivement, aujourd'hui, William avait posé la question tout à l'heure. Vous n'êtes pas allé au bout de vos explications parce qu'on devait reprendre la ligne de l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, la qualification répond au curriculum de formation? La qualification, toute qualification découle, émane du curriculum de formation. Et pour mieux faire, nous avons tout intérêt à revoir les curricula. Qu'est-ce qu'il faut revoir? Même si nous avons avancé, il y a encore du travail à faire. Oui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut revoir précisément pour pouvoir donner aujourd'hui à l'éducation béninoise, c'est l'aide de noblesse, vous n'êtes pas sans savoir qu'autrefois, on parlait beaucoup plus du quartier latin de l'Afrique. Aujourd'hui, on hésite un peu à vraiment l'affirmer aujourd'hui. Non, mais ce quartier latin de l'Afrique dont on parlait, on ne prenait que la première partie. Mais on ne prenait pas la partie. La seconde partie, c'est que on dit cet intellectualisme ne permet pas le développement. Aujourd'hui, lequel permet le développement? Vers quoi il faut aller? Je ne veux pas allumer de polémique évitable. Je vais vous dire tout simplement que il faut que le technique et le secondaire interagissent de manière en tandem opérationnel pour impulser le développement. Mais forcément, je suis d'accord que le technique doit monter. Parce que le technique, c'est ce qui permet d'aller au visible, à ce qu'on fait. Ce n'est pas... qu'est-ce qu'on forme aujourd'hui? Quoi que nous disions, nous formons des intellectuels, des gens qui puissent bien parler français, et intervenir sur des sujets, mais ce n'est pas eux qui font le quotidien. Ils ne créent pas de la richesse. Cela ne crée pas la richesse. Bon oui, ils créent la richesse d'une manière ou d'une autre puisqu'ils forment des gens. Mais ceux qu'on forme à l'université sont destinés à quoi? À l'oisiveté. De plus en plus, le chômage est galopant. Et quoi qu'on dise, même à l'université, nous avons un professeur pour 95. J'aime bien dire, nous voyons le... Pour 95 étudiants. Oui. Alors que le ratio normal, c'est 1 pour 25. Jeune Bédédi, nous voyons du côté du boulevard de la Marina que le chef de l'État fait son entrée rubrique. Par le chef de l'État, je crois bien que ce doit être la délégation du Nigeria qui est attendue. Justement. Et là, justement, voilà, comme vous le voyez sur nos images, le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui est en train d'effectuer son arrivée sur le boulevard de l'Amazone. Donc, c'était le grand invité attendu pour ce 1er août 2023. Le voilà, il salue la population. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Adadi, le directeur du protocole d'État. J'ai aperçu aussi le ministre du Développement et du Plan, la vice-présidente là qui serre la main au président Bola Ahmed Tinubu. Président, elle est ici sur le rappel de la CEDEAO. Il est accompagné par le cortège et conduit sûrement à la tribune officielle. Certainement que le président Patrice Talon va faire son entrée d'un instant à l'autre, ce qui annonce aussi notre deuxième panel qui se prépare déjà. Et ce deuxième panel sera exclusivement militaire. Rapidement, nous allons faire un tour d'état parce que nous avons parlé des défis, nous avons parlé de tout ce qui est acquis. Maintenant, il nous faut parler des perspectives très rapidement avant d'installer le deuxième panel. Nous allons commencer par la gouvernance politique, tout ce qui se fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que aujourd'hui, ce qui est acquis soit préservé et amélioré? Je crois qu'il faut poursuivre la dynamique qui est en cours. Vous savez que depuis 2016, nous avions fait l'option des réformes. Les réformes en fait ont des conséquences immédiates fâcheuses, mais des retombées économiques, en fait des retombées durables. Vous savez que ce ne sont pas les réformes qui ont manqué depuis 60. Non, mais les réformes en fait qui ont été engagées n'ont pas été engagées par les Béninois eux-mêmes. C'est souvent les institutions internationales qui dictent le chemin à suivre. Vous savez que les différentes politiques de développement qui ont été mises en œuvre n'ont pas pu connaître un heureux aboutissement parce que cette politique, ces programmes de développement ont été influencés par les experts pour l'espace que nous sommes, dans lequel nous sommes, c'est les Français. En fait, toujours cupides, toujours avides, prêts à exploiter sans réserve les colonies, en fait, les anciennes colonies qui sont devenues États indépendants.
gens, mais qui n'ont toujours pas eu la souveraineté. Vous comprenez bien ce qui se passe avec... Dans les temps, on commémore la session de la souveraineté. mais écoutez, c'était de non nominal. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour avoir la véritable souveraineté. Il faut aller à la conquête de la deuxième souveraineté des États africains, notamment dans l'espace francophone, et c'est ce qui se joue. J'espère qu'on ne parlera pas de troisième souveraineté. Ah non, on n'en ira pas là, parce que ce qui se passe aujourd'hui, il faut dire qu'en fait, il y a des indicateurs qui peuvent évaluer. À l'aune de ce qui se fait aujourd'hui, on a compris qu'au plan politique, nous avions assaini le paysage. Enfin, il y a des aspects qui sont perfectibles. Donc, tout ce qui est à corriger, il faut corriger pour que nous puissions conduire le système politique tel qu'il est mis en place depuis 2018 au Bénin. Au plan économique, il faut améliorer la mobilisation des ressources intérieures et extérieures. Couplé avec l'efficience de la gestion pour qu'on puisse dégager en fait les bénéfices qu'il faut, en fait l'épargne, pour investir dans les projets structurants. Parce que c'est ça qui va permettre évidemment de créer la richesse qui sera redistribuée pour lutter contre la pauvreté. Vous savez que maintenant, au plan sécuritaire, il y a des défis en fait qui sont là. Il faut que nous puissions travailler pour les défis sécuritaires qui sont les nôtres. Maintenant, il faut associer les populations, il faut fédérer les populations autour des grands projets et programmes qui sont en cours. Et maintenant, travailler à ce que les programmes éducatifs qui sont adoptés puissent recevoir l'adhésion des acteurs du système et qu'on travaille davantage à orienter notre système vers la production. Merci à vous, Francis Attardé. Nous venons de voir tout à l'heure le chef de l'État qui est monté à bord du command-car. Il va faire la revue des troupes. Tout à l'heure, nous allons recevoir des invités exclusivement militaires ici, des officiers de l'armée, des forces de défense et de sécurité ici sur ce plateau pour le deuxième panel. Mais en attendant, nous allons rapidement vous passer la parole, Eugène Bédédi, pour nous dire ce qu'il faut, les perspectives dans le domaine de l'éducation. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, nous avons amélioré nos curricula. Nous avons ajusté la formation aux besoins du marché. Et nous avons élargi ce marché pour accueillir ceux qui sont formés. Et il faudrait que, bon, ça c'est déjà en cours, que dans le domaine technique, que le domaine technique soit ait plus d'allant, plus de dynamisme. D'accord. Il faudrait forcément que l'on fasse interagir, si on veut vraiment se développer, l'agriculture et l'industrie. Que les deux fonctionnent en tandem opérationnel. Voilà. Nous allons avant de passer à l'économiste, nous allons rapidement recevoir Wahab Ali Barra qui est allé. Bonjour Wahab. Bien, bonjour. Merci Wahab de nous dire un peu, de nous raconter un peu tout ce que vous vivez là-bas sur le terrain. Vous étiez tout à l'heure au jardin de Mathieu pour le dépôt de gerbes avec le président de la République. Et nous venons de voir également sur les images qui nous parviennent que le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, est déjà là et attend le chef de l'État qui actuellement est dans son command-car. Parlez-nous un peu de tout ce que nous n'avons pas vu et que vous voyez et que vous vivez là-bas sur le terrain. Oui, Ulrich Gaba, il y a les premiers instants et les premières images qui ont précédé au niveau donc du jardin Mathieu, le président de la République, qui quelques minutes plus tôt était précédé du préfet du littoral et du maire de la ville de Cotonou. Et donc à la descente du chef de l'État au niveau donc de ce jardin Mathieu, bien embelli par les fleurs plutôt multicolores, le chef de l'État leur a distribué, si on peut le dire ainsi, des chaleureuses poignées de main avant de s'avancer vers le monument pour saluer la mémoire des fils du Bénin, des filles et fils du Bénin qui sont donc morts pour la patrie. L'exercice s'est déroulé de façon très simple, pour ne pas dire de façon très sobre, avant que le chef de l'État ne puisse se retirer. Il va donc rejoindre, comme vous avez parlé des images de tout à l'heure, il va donc rejoindre le site qui va apprécier donc le défilé militaire tout à l'heure. On nous a annoncé l'arrivée du président du Nigeria, Bola Tinubu. C'est donc officiellement l'arrivée de ce président qui va donner un cachet spécial à ce défilé que le chef de l'État, Patrick Talon, va également conduire. Merci à vous, Wahab, pour le relais de la situation. Je le confirme et nous le confirmons en plateau. Voilà, Ahmed Tinubu est présent. Il est déjà là installé. Patrice Talon, après la revue des troupes dans son command-car, va le rejoindre d'ici quelques instants et nous aurons donc le démarrage du défilé militaire. Ouais.
Les discussions en plateau revient sur notre invité, Omer Mansou, il est économiste. Aujourd'hui, nous avons parlé de tout. Vous savez que l'économie, c'est ça qui développe le pays. C'est d'abord la base, moi, c'est le nerf de la guerre. Et justement, nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé politique, développement, gouvernance en économie. Quelles sont les perspectives, les piliers sur lesquels nous devons jouer pour que notre économie soit stable et prospère? Évidemment, nous pouvons confirmer aujourd'hui que les ressources intérieures sont disponibles. Et lorsqu'on regarde dans les statistiques, il y a effectivement une croissance en matière de ressources intérieures. Et ce n'est que ces ressources qui permettent évidemment d'investir. Et quand on regarde un peu tout ce qui se fait à travers les chantiers qui s'ouvrent à travers le pays, on se dit effectivement qu'il y a des ressources parce que tous ces investissements et toutes ces structures ou tous ces investissements en réalité sont mis en place sur la base des financements. Et donc, si nous pouvons, en termes de perspective, nous pouvons toujours encourager l'investissement, demander toujours à l'État de tout continuer par mettre en place les infrastructures nécessaires pour sortir, par exemple, les productions des zones de production. Donc, comme on le dit déjà, c'est quoi? Le développement passe par, évidemment, le développement de la route. Et donc, c'est un grand chantier. Et quand on regarde et notre espace économique, on regarde nos grandes villes, nous voyons effectivement de l'amélioration et nous allons encourager effectivement le pouvoir politique, le pouvoir public à continuer par soulager les peines des populations tout en investissant dans les activités génératrices aussi des revenus, donc du côté des femmes, agir pour que l'autonomisation soit quelque chose beaucoup plus important davantage. Ouais. Et du côté de la jeunesse, je pense que nous pouvons aussi dire que le gouvernement actuel, à travers les activités de PSIE, les activités de comment on appelle ça, et de l'ANPE, on remarque effectivement qu'il y a une prise en charge, d'accord, de ces préoccupations, notamment et comment former les jeunes, comment leur donner beaucoup plus d'expérience pour pouvoir compétir sur le marché du travail. Encore qu'il y a encore beaucoup à faire dans évidemment. Ce sens-là. Et justement, est-ce que vous êtes patriote? Ça, c'est une question que je vous pose rapidement au pivot. Évidemment, je suis... Assez patriote? Très patriote. Si vous êtes patriote, j'espère que vous maîtrisez bien l'hymne national et surtout tous les couplets. Évidemment. Ben, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont du mal à fredonner avec aisance le troisième couplet. C'est ce que nous allons rapidement suivre parce que tout à l'heure, le chef de l'État, dès qu'il va descendre de son commande-ca, il doit saluer le drapeau, on doit lui jouer l'hymne national. Nous, ici, nous allons voir comment les jeunes du Bénin appréhendent, arrivent à fredonner avec aisance ou avec difficulté, vous le verrez, ce troisième couplet de l'hymne national de l'Aube Nouvelle avec précision. T'aimes au soleil des palmiers, ta verdure, ta belle partout fond, ta vive parure. Ton sol offre à chacun la richesse de tes fruits. Bénin, désormais que tes fils tous unis, de fraterner et de partager l'espérance, de te à jamais heure dans l'abondance, enfin du Bénin.
Voilà, vous l'avez constaté, ça se passe ici sur Canal 3 Bénin, cette émission spéciale Indépendance, 1er août 2023. Et si je referme ce premier panel, nous allons recevoir tout à l'heure quatre autres invités, exclusivement des militaires, des officiers des forces de défense et de sécurité. Avec eux, nous parlerons des symboliques du 1er août, les différentes missions en cours pour sécuriser et préserver l'intégrité du territoire national. Comme vous vous y attendez, nous parlerons bien évidemment du terrorisme dans le nord du Bénin, l'opération Mirador, en cours pour déstabiliser ces hommes sans foi ni loi qui sèment la peur, la mort, la terreur, la désolation au sein des populations. Faisons rapidement un tour à la régie. Nous nous retrouvons dans un instant. Thème, âme soleil, tes palmiers, ta verdure, ta béné partout fond, ta vive parure. Ton sol offre à chacun la richesse de tes fruits. Bénin, désormais que tes fils tous unis, d'un fraternel élan partage l'espérance de te à jamais heure dans l'abondance. Enfant du Bénin. Oh, fraternité, c'est bon. Fraternité, c'est bon. Eh, au copie, je l'ai même au télé. Troisième couplet, il t'a dit. T'aime. Je me rappelle même pas. Sans soleil, t'es pas mieux. T'avais dû. Je me rappelle pas. Ah. Enfant peut-être. Toville mi cité. Oh, mi cité bagni mi dessous. Aïdo riron et dali jiwe mi beau fond. Si we ho nouwe, yolo e fon bo soak bak ba togbo mi ton le bo, ye go do men. Lo bo pan kombo van kan po ho men ron ron pan, bo yi so so nou bo kan jo konyan yi bi vanyan vanyan. Beneto vile mi site. Te man, san soleye, te pa miye. Ta verdure, cher Bénin, partout fond ta vive parure. Ton sort offre à chacun la richesse et des fruits. De la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière de l'Ordre National du Bénin, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents des anciens, Mesdames et Messieurs les anciens Présidents des institutions de la République, très éminentes personnalités, membres des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux du Président de la République, Monsieur le Général de Brigade, Chef d'État-Major Général des Forces Armées Béninoises, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, membres du Haut Commandement des Forces de Défense et de Sécurité, distingués gouverneurs des États de Lagos, de Kwara, d'Ogun, de Niger et de Kebbi, membres de la délégation nigériane. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, de postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est en qualité d'invité d'honneur que Son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, Président de la République fédérale du Nigeria,
s'offre sa première visite en terre hospitalière béninoise, à l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Moment de fraternité, de convivialité, d'amitié, de partage et de communion nationale, la présente cérémonie connaîtra trois séquences ainsi qu'il suit. D'abord, un défilé militaire et paramilitaire dont le point d'orgue sera la parade aérienne des vecteurs de combat, preuve s'il en est encore besoin de l'engagement pointu du gouvernement à lutter contre toutes sortes de menaces d'où qu'elles viennent. Ensuite, un tableau artistique et culturel minutieusement préparé pour la circonstance. Et enfin, le retrait de M. le Président de la République en compagnie de son grand hôte. Très distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en vous souhaitant d'ores et déjà une très bonne célébration de la fête nationale, nous voudrions à présent requérir l'autorisation de M. le Président de la République pour faire démarrer le défilé. Mr. Patrice Talon, President of Republic, Head of State, Head of Government, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Your Excellency, Bola Ahmed Tinubu, President of Republic of Nigeria, Benin Guest of Honor at the event marking the 63rd anniversary of our country's accession of international sovereignty. Madame Claudine Benayon-Talon, First Lady of Republic of Benin, Madame Chabi Talata-Zimé, Vice President of the Republic, Grand Chancellor of the Benin National Order, distinguished guests, all protocol observed, ladies and gentlemen, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, President of Republic of Nigeria, is paying his first visit to Benin as a guest of honor on the occasion of the 63rd anniversary of the Republic of Benin. On this day, strong brotherhood and deep friendship will be celebrated through three steps as follows. Firstly, a military and paramilitary parade, the highlight of which will be an aerial parade of a selection combat vector, proof, if ever it were needed, of the government commitment to fighting all kinds of threats. Then, an artistic and cultural performance carefully arranged for the occasion, and finally, the greeting and withdrawal of the President of the Republic and his guest of honor. Wishing you an excellent celebration of the National Day, we would now like to respectfully request the authorization of the Commander-in-Chief of the Armed Forces to start the parade. Thank you. Voilà, après le mot introductif du directeur du protocole d'État, depuis le boulevard de l'Amazon, nous revenons à notre spéciale émission Indépendance sur Canal 3 Bénin, 63 ans d'indépendance. Nous allons ensemble vivre le défilé, comme nous l'avons déjà démarré, tout en échangeant sur les questions d'intérêt commun et surtout en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, le thème de ce 1er août 2023 parle des forces de défense et de sécurité. Ensemble contre, debout, ensemble contre le terrorisme. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour, monsieur. Eh bien, je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Je vais commencer par l'enseigne de Verso, première classe, Tedjou Mola Salifou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes, vous, de la Marine nationale. À côté de vous, il y a la capitaine, j'espère qu'on dit la capitaine, Pélagie Seyibou. Elle est de l'armée de terre. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'autre qui est de la Marine nationale et qui est avec nous, c'est bien l'enseigne de Verso, première classe, Rosiane Comi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Et il y a un élément de la garde nationale avec nous ce matin, c'est le capitaine Marius Lali Gangbe. Bonjour, capitaine. Bonjour, monsieur le journaliste. Eh bien, nous
allons commencer déjà par vous faire la toute première question que nous faisons à nos invités qui prennent part ici, parce que le plateau a changé de configuration entre-temps. Vous, vous êtes des forces armées. Naturellement, il est très opportun de vous demander, je ne sais pas qui prend la parole en premier, je commence par Capitaine Seibou. Quel sentiment on a un 1er août quand on est dans l'uniforme dans lequel vous êtes? Merci pour cette question. Avant tout propos, j'aimerais souhaiter au peuple béninois d'ici et de la diaspora une très belle fête de célébration de la souveraineté nationale, à vous aussi d'ailleurs. Merci. Déjà pour tout béninois, le 1er août représente une célébration nationale qui consacre l'indépendance de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Alors pour moi, en tant qu'officier des forces de défense et de sécurité, c'est l'occasion pour nous de réitérer notre serment à la nation, à savoir protéger et défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. C'est aussi l'occasion pour la nation d'avoir une vue d'ensemble sur le moral des troupes, sur la préparation des troupes et aussi sur l'effort mis dans les moyens et les différentes acquisitions faites par le gouvernement. T'es tout mon là, Salifou, enseigne de Verso, un sentiment ce 1er août? Oui, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est un jour de fierté, c'est un jour où nous renouons avec cet ensemble que nous faisons ensemble comme les forces de défense et de sécurité. C'est un jour où nous renouons avec ces engagements que nous avons faits, ce serment que nous avons mené de toujours défendre cette nation. Donc c'est un jour de bonheur, un jour de joie, un jour de célébration. Eh bien, Lali Gangway, capitaine, même sentiment de fierté et surtout de retour à ce serment que vous avez prêté à la nation de le défendre. Oui, de la défendre. Naturellement, monsieur le journaliste, c'est l'occasion pour nous, en tant que force de défense et de sécurité, de renouveler notre professionnalisme à travers cette marche militaire que nous faisons, à travers ce défilé. C'est aussi l'occasion de montrer les différents matériels, d'exhiber la compétence et l'opérationnalité de nos différentes forces qui sont engagées pour le défilé militaire. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux anciens du Bénin qui se sont vaillamment battus pour la défense de la patrie. Voilà. Enseigne de Verso Komi n'en dira pas moins sûrement. Non, donc comme mes collègues l'ont dit, aujourd'hui ce 1er août c'est un moment très symbolique pour tout le peuple béninois et en particulier pour nous les forces de défense et de sécurité. Donc, comme ils l'ont dit, c'est également un jour où nous réaffirmons notre allégeance à la nation béninoise et aux institutions de la République. Ouais. Et bien, comme vous le constatez, chers amis téléspectateurs, le plateau est bien équilibré, un homme comme en femme, je ne parle pas des présentateurs. Nous avons deux officiers du genre féminin, bien sûr, et deux officiers du genre masculin, donc c'est bien équilibré. Et déjà, tout de suite, j'aimerais bien demander à au capitaine Lali Gangbe, vous êtes du bébé né des forces armées béninoises, de la garde nationale. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de vous retrouver en tant que vous n'êtes pas bébé dans l'armée, certes, mais c'est la dernière composante des forces armées béninoises aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait? Avant de répondre, merci pour la question. Ouais. Et avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir sur les bases qui ont conduit à la création de la garde nationale. D'accord. Il faut dire que la garde nationale est née de la volonté du chef de l'État à disposer d'une force d'intervention qui est en mesure d'intervenir dans les airs, sur la terre aussi, en mer, et en appui surtout aux forces de surface, aux forces déjà existantes. Donc en fait, partie de la garde nationale, c'est une fierté pour moi parce que c'est aujourd'hui l'armée qui est justement plus engagée dans les différentes opérations au nord et en synergie aussi avec les autres composants des forces armées béninoises ainsi que de la sécurité, des éléments des forces de sécurité. Voilà, merci. Ouais. Enseigne de Verso Komi, vous êtes femme, vous êtes dans l'armée. Et avant de revenir sur justement le rôle de la femme dans l'armée, parce que ça nous en parlerons de façon beaucoup plus exhaustive, mais déjà tout de suite, j'aimerais vous demander quelle est l'importance de la marine dans l'armée? Merci, monsieur le journaliste.
L'importance de la marine dans l'armée, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a été agressé par des mercenaires en 1977. Mmh. Et suite à cette agression, justement, l'État béninois a décidé de créer une marine nationale pour justement protéger sa façade maritime. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle au sein des forces de défense et de sécurité, c'est de défendre et de sécuriser les côtes, la façade maritime, et également de lutter contre tous les trafics illicites en mer, que ce soit la pêche illicite, que ce soit la contrebande, et également... Nous sécurisons et escortons tous les navires de commerce entrant et sortant du port autonome de Cotonou, comme vous le savez, qui est le poumon de l'économie béninoise. Ouais. Avant de revenir au plateau, nous allons faire un tour sur le terrain pour voir le démarrage du défilé, je crois, l'équipe de la fanfare qui démarre là. Nous allons d'abord vivre un peu ce moment important, parce que quand on parle de défilé, on veut bien voir ce beau treillis, la fanfare qui résonne et qui nous rend fiers d'être patriotes. Nous allons d'abord à la régie et on revient tout à l'heure pour mieux parler des différentes composantes de l'armée, des forces de défense et de sécurité.